Bonjour à tous, chers amis. Comment allez-vous? C'est Kiki. Bienvenue dans notre atelier ASMR. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de me détendre et je trouve que la peinture est une activité très apaisante. Et méditative aussi. Alors, je vais vous montrer les matériaux tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai une palette que j'ai déjà utilisée, bien évidemment. Mais je n'ai une petite ici. Voilà. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser palette. Et puis j'ai des couleurs. Ici j'ai de la gouache extra fine Giotto. Magenta. Et puis j'ai des couleurs aquarelles extra fines, Venezia. Ça c'est terre de sienne naturelle. Puis j'ai la terre de sienne brûlée. Et puis j'ai ma couleur préférée, bleu outre-mer foncé. Puis, il y a quelques jours, j'ai trouvé ce kit de peinture pour les œufs de Pâques que mon grand-père m'avait donné quand j'étais petite. Alors je vais utiliser ce kit pour faire des petits œufs porte-bonheur. Ah, et pour l'occasion, j'ai décoré mes ongles comme un petit œuf de Pâques. Elles sont jolies, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser aussi deux pinceaux Da Vinci. Et ce pinceau est le numéro 10. Je l'adore tellement. D'accord. Puis, j'ai des petits objets de polystyrène. Un oiseau. Et puis bien sûr des œufs. Voilà. Ok. Et puis j'ai des washi tapes de deux types pour faire des décorations. Ok. Alors, on va commencer par ouvrir le paquet. Très bien. Ah, et bien sûr, j'ai une petite tasse d'eau ici.
Alors, on va commencer avec les vais ouvrir le kit. C'est un petit mouchoir que j'ai utilisé quand j'étais une enfant. Bien évidemment. Verre du Minnesota. Ah oui. Je suis allée aux États-Unis quand j'étais petite avec mon grand-père et ma famille. Voilà. Une petite verre porte-œuf. Ah, d'accord. C'est très utile. Par les aquarelles peut-être ou le magenta, oui. Alors ok, on va commencer par la gouache extra fine. Puis le bleu outremer foncé, c'est vraiment très intense, donc une petite quantité suffit. Voilà. Et puis le vert, oui, vert vernis. Je vais mélanger les couleurs entre eux. Un peu de magenta et voilà, un peu de bleu. Ma couleur préférée. Alors, mon petit œuf ici, voilà. Alors, j'ai fait des recherches sur la tradition des œufs de Pâques. J'ai trouvé que elle était une tradition pré-chrétienne, connectée au rite de fertilité du printemps. En fait, les œufs et les lapins, qui est le symbole de Pâques, n'est-ce pas, sont associés à la fertilité. Et moi maintenant, j'adore faire des promenades dans les parcs. Et je trouve que la beauté de la nature dans cette saison est incroyable, vraiment incroyable.
le printemps est une saison de renaissance pour les humains aussi. Et cette saison nous donne la possibilité de vivre une sorte de renaissance. C'est pourquoi je vais donner des petits œufs pour bonheur à mes amis, ma famille. C'est un symbole. Je vais le prendre très doucement. Voilà. Le polystyrène est très difficile à colorer. Le polystyrène est très difficile à peindre parce que c'est un matériau qui absorbe l'eau. Ok. Je vais le mettre ici. Et maintenant, je vais prendre un autre œuf. Et je vais utiliser le un peu de rose comme ça. Ok. Comme ça, seulement une touche de rose. Et puis je vais faire des décorations plus tard. Comme ceci. Maintenant, je vais utiliser aussi les aquarelles du kit. Je ne sais pas si ça marche avec le polystyrène, mais on peut essayer. Pour cette vidéo, je suis en train d'utiliser mes nouveaux microphones Roland, qui sont in-ear, c'est-à-dire dans les oreilles. C'est pourquoi si je fais ça, vous allez entendre les sons de manière binaurale. Je les aime bien. Ok, alors seulement une touche de vert comme ça. Et maintenant, ok, maintenant je vais utiliser le vert comme ça avec un peu d'eau. Ok. Ah, mais ça marche mieux comme ça. Oui, beaucoup mieux. Ce type de couleur en italien c'est tempera. Tempera. Parfois, j'aime la peinture avec les doigts et avec la tempera, c'est parfait. C'est parfait. Ok.
maison. Moi, j'adore les petites choses faites à la main. Elles sont spéciales et uniques. Je vais la mettre ici. Mes mains. Bon, maintenant, je vais peindre ce joli oiseau. Alors, avec un peu de vert ici. Aussi. J'adore cette vidéo déjà. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça dans mes vidéos ASMR. Je l'adore. Et puis un peu de bleu comme ça, mais ici ses yeux comme ça, c'est un peu le un oiseau black metal, n'est-ce pas? Avec le face painting. Oh, j'adore. J'adore. Wow. Qu'est-ce que je fais? Ah, vert et jaune. Je l'ai fait par hasard, mais c'est vraiment joli, hein. Oh, j'adore, j'adore. Regardez. Joli, n'est-ce pas? Ah, les yeux verts. Et puis la bouche jaune. Ah, comme ça. Est-ce qu'il est joli? Puis je veux un peu de jaune sur à côté aussi. Pardon pour les enfants qui hurlent dans la rue. Et puis un peu de rose comme ça. J'adore, j'adore. Très bien. Comme ça. Et sur son dos aussi. Oh, j'adore. Sont toutes les couleurs mélangées. De vert et de... Oh, j'adore. C'est un oiseau un peu psychédélique.
étrange oiseau, je pense. Joli. Ok. Et maintenant, je vais utiliser ce petit porte-œuf. Oh, regardez le pinceau. C'est trop joli. Mais je vais utiliser mes doigts, en fait. Comme ceci. Je vais faire des décorations avec le jaune. Et maintenant, je
J'en sais pas pourquoi, mais je suis vraiment très heureuse maintenant. Peut-être parce que
je suis en train de faire de l'ASMR et puis chanter comme ça. Et je parle français avec vous. Le français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours tellement élégant à écouter. Cela ne m'arrive pas avec des autres langues. Vous savez que je suis obsessionnée par les langues. Mais avec le français, j'ai une sensation d'apaise et d'élégance surtout. Cela ne m'arrive pas avec les autres langues. Cela me fait sentir un peu coupable en même temps. Mais c'est quelque chose que je ne contrôle pas, vous savez. Je serais curieuse. Quand vous pensez à l'italien, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la sensation que vous avez quand je parle italien, ou espagnol, ou anglais? Est-ce que vous avez une sensation particulière ou pas? Je vous dis que moi, quand j'écoute Serena ou Rikita ou Lapizé ou Paris ASMR, j'ai une sensation d'apaise très grande. Mais oui, le français pour moi, c'est le symbole de l'élégance, et pas seulement la langue. Toutes les personnes françaises que j'ai connues sont tellement, j'en sais pas, tellement spéciales. Vous savez, c'est difficile à expliquer. J'adore cette fille. Elle deviendra ma vidéo en français préférée. Mes amis, j'adore tellement cette vidéo. Merci de me donner, vous savez, l'occasion de faire quelque chose comme ça. Moi, j'ai fait ces vidéos pour aider les personnes à se détendre et en même temps, je l'ai fait pour moi, pour me détendre. Mais sans vous, je ne serais pas ici. À faire des vidéos chaque semaine, à trouver des nouvelles choses et des nouveaux matériaux à utiliser. Vous me donnez le bonheur dans la vie. Vraiment. C'est romantique un peu. Mais c'est la vérité. C'est mon téléphone. Et maintenant, ok. Ah, le dimanche passé, c'était la journée internationale de l'ASMR. Le dimanche passé, c'était
c'était la journée internationale de l'ASMR. Et j'ai fait une collaboration avec une chaîne de psychologie qui fait aussi des animations qui s'appelle Psych2Go. J'aimerais bien apprendre à faire ce genre de choses-là parce que j'adore dessiner. Je ne suis pas, vous savez, une hache en dessin, mais j'adore dessiner et j'aimerais bien apprendre. Et pour l'occasion, j'ai décidé de mettre, d'ajouter, je veux dire, les sous-titres en français. C'était la première fois pour moi. Et vous pouvez me dire si vous trouvez des erreurs ou bien des choses à changer, mais j'étais vraiment fière d'avoir traduit l'entière vidéo en français. Et je devrais le faire plus souvent. Et puis, j'étais tellement honorée parce que beaucoup de vous m'a dit que vous avez apprécié mon poème en français, que j'ai écrit totalement en français. Et pour moi, cela veut dire beaucoup parce que j'adore écrire. Et en fait, je le fais souvent. J'écris pas seulement des poèmes, mais aussi des histoires. Mais je suis assez timide et un peu perfectionniste avec mes histoires. Mais je dois les partager. Et en fait, je suis en train de travailler maintenant sur une collection de poèmes que j'ai écrits. Vous pouvez me dire si vous aimerez la lire. Et je la ferai en français aussi, bien sûr. J'aurai besoin de quelqu'un qui peut, vous savez, m'aider avec la langue. Parce que je pense que je peux traduire aussi mes poèmes en français. Pas mes histoires, parce que mes histoires sont très détaillées et pour l'occasion, j'aurais besoin d'un traducteur français. Mais mes poèmes, je peux essayer. Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide avec la langue. Vous pouvez me dire si vous êtes intéressé. Et je vous donnerai quelque chose comme un MP3 et puis une vidéo personnalisée en échange. Quelque chose comme ça. Oh, je l'aime bien. Cette vidéo sera très longue. Très très longue. J'adore. Oh, les oiseaux, regardez. Mais je pense que il a besoin de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Mais peut-être d'un peu de jaune. Comme ça. Ouais. Un peu de jaune ici et un peu de jaune ici aussi. Ouais. Mais il a besoin de jaune. Je n'aime pas trop les roses sur son visage. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais pardon pour mes erreurs en français dans cette vidéo, mais c'est vraiment très improvisé. Ce que j'aime dans les vidéos ASMR. Quand elles sont comme ça. Improvisées. Alors,